Zambe. Merci. Kimia ya Nkolo Yesu Kristo za na moko na moko. Que la paix de Jésus Christ soit le partage de chacun de nous. Tondimisami ke esengo ezali makasi po toye na ndako ya Nzambe. Et nous sommes persuadés qu'il y a une forte joie parce que nous sommes venus dans la maison du Seigneur. Toye na ndako ya Mutute. Nous ne sommes pas venus dans la maison des nobles. Ndako ya Nzambe. Mais dans la maison de Dieu. C'est qu'il y a le bien de Dieu dans cette maison-là. Et de la même manière, quelqu'un a sa propre maison. Et lui-même qui achète ses meubles pour meubler sa maison. Le même le Seigneur. Il prend ses biens pour aussi garnir sa maison. Il faut savoir que tu as les richesses de Dieu. Il faut être persuadé en toi. Tu n'es pas comme tous les passagers de la terre. Le Seigneur t'a donné la parole. L'autorité a reçu la parole. L'autorité de la parole qu'il t'a donnée. Et les qui autorité nions ce ça sur la terre. Et plus que toute autorité ici sur la terre. L'autorité en est en puissance sur la mort. Cette autorité a la puissance sur la mort. En a puissance sur le péché. A la puissance sur le péché. Avec l'autorité que le Seigneur a reçu. Avec l'autorité que le Seigneur t'a donnée. L'impudicité n'a pas quitté mon sakananayo. L'impudicité n'a pas le pouvoir de s'accuser de toi. Vie en mondanité n'a pas quitté mon cribler. La vie du monde n'a pas le pouvoir de te cribler. Cette autorité est une autorité beaucoup puissante. Et cette autorité est tellement puissante. L'autorité de Christ. Au conti, il y a Christ Jésus. Lui-même, lorsqu'il a marché sur la terre, il a vécu 33 ans, il n'a jamais péché. Voilà cette autorité. Le mal n'était pas capable de l'induire en erreur. En tout temps, il faut chercher cette autorité dans ta vie. Maintenant, c'est possible. Sache que maintenant c'est possible. La Bible le dit, comme la Bible dit, par la mort d'un seul, et tous ont été rendus pécheurs. C'était Adam qui était tombé, mais tous nous sommes comptés des pécheurs. Et on dit de la même manière par l'obéissance d'un seul. Abondance et la justice pépé Samiri Nabiso. Et l'abondance de la justice nous est aussi donnée. Ça, livre de Romains 5. Yangode Moukade à Romains chapitre 5. Banéna verset 18, tiens, verset 21. À partir du verset 18 jusqu'au verset 20. Il faut n'imaga na kat na yo que c'est possible na pika via sainteté. Il faut croire en moi que c'est possible que je vive la vie de la sainteté. C'est possible qu'il y ait Kobo et Zalanavinangaïté. C'est possible. C'est possible qu'il n'y ait plus d'impudicité dans ma vie. Parce que Jésus a vaincu. Pour être soit longue. C'est possible que la colère domine Naïté. C'est possible que la colère ne puisse plus me dominer. Parce que Jésus a vaincu. Pour être soit longue.
C'est possible que Kotonga Koyina Kofinga ait dominé Ngaïté parce que Jésus a vaincu. C'est possible que le colportage, la haine et les insultes ne me dominent plus parce que Jésus a vaincu. De la même manière, par la chute d'un seul homme, tous sont entrés dans le péché. Jésus-Christ. De la même manière, par l'obéissance d'un seul qui est Jésus-Christ, nous tous nous rentrons dans la foi. Il faut d'abord le croire. Non, c'est possible que. Donc, c'est possible de vivre une vie sans péché. Et je vis une vie sans péché. Une vie à sanctification. Au moins, il y a péto. Crois d'abord à cela. Alors, la force te sera donnée. La Bible le dit. La Bible dit. L'évangile est une puissance. Sa momala mozali nguya. Pour quiconque croit. L'évangile est là. L'évangile est là. Mais on comme puissance. Mais ça devient une puissance. Pour le croyant. Mais si tu ne crois pas à l'évangile, tu ne verras pas non plus son effet. Si tu crois que l'évangile a vaincu la punition, et tu crois à la puissance, et tu verras cette puissance. Il y a sainteté, il y a mon sang, et continue à entrer en toi. C'est comme ça la vie de Dieu. Il y a mon démon moyen sans ce n'est pas par tes propres forces, mais c'est par la foi. C'est pourquoi tu le dis que c'est pourquoi nous disons le cola quand nous sommes venus dans la maison de Dieu, il y a les richesses de Dieu à l'intérieur. Il faut te palper, il faut que nous puissions le palper par la grâce de Dieu. N'angolui ensemble. Les lots allés le 1er novembre 2021. Le 31 octobre plutôt 2021. Aujourd'hui nous sommes le 31 octobre 2021. Et surtout pour la bandeko bazona na biso en ligne partout. Et surtout pour le frère qui nous suit en ligne partout. Nous allons continuer l'enseignement sur les sept sous. Nous continuons notre enseignement sur les sept sous. Nous allons enseigner awa na Église de Saint Ariwara. Nous enseignons ici à l'église de Saint Ariwara. Dans l'est de la RDC. À l'est de la RDC. Donc l'enseignement n'a pas besoin de continuer par la grâce de Dieu. Et notre enseignement continue par la grâce du Seigneur. Et tous nos frères qui nous suivent en ligne. Que Dieu a béni Rio Place aux Alliés. Et Dieu te bénisse là où tu te retrouves. Et yo aussi aux en assemblée, ah ouais, que Dieu te bénisse. Et toi aussi tu es dans l'assemblée sur place, que le Seigneur te bénisse. Amen. Sois certain de Dieu. Quel que soit le camp où ils allaient, quel que soit le problème qui peut y être, je crois que le Seigneur est là. Sois certain de Dieu. Moïse devant la mer rouge. Moïse devant la mer rouge. Azala qui certain du Seigneur. Azala qui a une promesse dans son cœur. Il avait une promesse dans son cœur, bien aimé. Oyon zamba et misaka etan azako petre di bouele ya bokilo na ye Jétro. Que le Seigneur lui avait dit lorsqu'il paissait le troupeau de son beau-père Jétro. Azala ka na Exode 3 verset 10 à 12. Et cela se retrouve dans Exode 3, les versets 10 à 12. Zamba et Misakaye. Le Seigneur lui avait dit. Et l'embo et potali sa genga yin zambende na tindiyo. Le signe qui va montrer que c'est moi l'Éternel qui t'envoie. Na montagne au Sinaï. C'est sur cette montagne de Sinaï. Okoya ko servir ngai. Vous viendrez me servir. Zamba pese ya mon étire. Le Seigneur lui avait donné comme un signe. Jusqu'à ce qu'il était parti travailler en Égypte. Délivrance à peuple Salemi. La délivrance du peuple s'est opérée. Ils sont arrivés devant la mer. Ces signes-là n'étaient pas encore accomplis. Moïse dans Exode 14. C'est pourquoi en lisant Moïse dans Exode 14. Moïse ne s'était pas inquiété. Il avait dit ceci au peuple d'Israël devant la mer. Vous ne le verrez plus jamais.
Qu'est-ce qu'il a fait qu'il puisse prononcer ces paroles? Exode 3. C'était Exode 3. Il faut comprendre la lecture de la Bible. Il faut comprendre la lecture de la Bible. Et les mots qui sont les faux. Les signes que Dieu lui avait donnés, c'était qu'il vienne servir le Seigneur sur la montagne de Sinaï. Et ces signes-là n'étaient pas encore opérés. Le Seigneur ne peut jamais être menteur. C'est ce qui avait persuadé Moïse. Lorsqu'il a fait cette déclaration, l'Égyptien, vous ne verrez plus jamais ces Égyptiens. Pour Moïse, il avait cru que tous ces Égyptiens la disparaîtront. Les paroles que le Seigneur lui avait dites dans Exode 3, le verset 10 à 12, étaient plus puissantes que l'armée de Pharaon. De la même manière, lorsque le Seigneur avait fait la promesse à Abraham, il lui avait dit, et Sarah, te sera donné une postérité et beaucoup de rois y sortiront. Vous suivez attentivement. Et le Seigneur l'a dit dans Genèse 17. Il a dit, sera Abraham par Sarah que viendra ta postérité et beaucoup de princes y sortiront. Qui a dit cette parole? C'est l'Éternel Dieu lui-même. Et comme maintenant dans Genèse 21, postérité à Isaac à Botami. Et cette postérité Isaac fut enfanté. Et maintenant dans Genèse 22, arrive. Le Seigneur lui dit, Isaac, va m'offrir ton fils Isaac. Va me l'offrir sur un autel en sacrifice. Abraham avait-il eu peur? Pour savoir qu'il n'avait pas eu peur. Il n'avait pas raconté à sa femme cette histoire, cette affaire. S'il avait essayé, donc le fils unique de sa maman, maintenant qu'il dise à sa maman que le Seigneur lui a demandé en sacrifice, les mamans, vous savez, Sarah lui aurait dit, c'est quel Dieu qui t'a demandé? Il nous a donné un fils en pleine vieillesse et tu vas encore le sacrifier. Vraiment, Abraham, tu n'iras pas avec mon fils. Abraham ne lui avait rien dit. Il a dit que la femme, c'est le sexe plus faible. Il savait que la femme est d'un sexe plus faible. A gardé ses secrets dans Zambé. Abraham a gardé ses secrets entre lui et Dieu. Mais tant qu'oiseau kené, mais en allant sacrifier son fils, a commis nanzela na ba serviteur au bazaraki na bango. Il est arrivé en chemin lui et ses serviteurs. A émis ses serviteurs wana. Il a dit à ses serviteurs, bino botika la, vous restez ici. Biso na Isaac, donc na moi na toke ko adorer. Moi et les jeunes hommes nous allons adorer. Mais pourquoi zo? Et nous reviendrons. Vous savez pourquoi il a dit qu'il reviendra? C'est à cause de la parole de Dieu de Jésus. Le Seigneur lui avait dit que le fils qui naîtra de Sarah, après ce fils-là, il y aura beaucoup de fils qui viendra. Il dit, le Seigneur ne peut jamais être menteur. Il avait fait cette déclaration parce qu'il était convaincu de la fidélité de Dieu. Le Seigneur ne renie jamais sa parole. Même si les hommes seront infidèles, l'Éternel restera toujours fidèle. La chose que le Seigneur a émis, la chose que le Seigneur t'a dit, quel que soit le temps et tiré, et pour s'accomplir certainement. Si le Seigneur t'a dit que tu auras un fils, même si tu es resté 30 ans dans le mariage, étant stérile, sois certain de Dieu.
faible, même si tu deviens faible, et que tu atteins 75 ans d'âge, le Seigneur t'a promis un fils. Sois certain de dire, tu vas toucher ton fils. Sa science dépasse à contentement à bâti. Celui n'a elle que la cabossosoli à bâti. Quoi ainsi? Doute la grandeur de Dieu. Ne doute rien de la grandeur de Dieu. Tant que y'a la tozoya pour sa canadère. Lorsque nous venons, c'est pas pour blâmer. Tozoya pour célébrer la fidélité de Dieu. Nous venons célébrer la fidélité de Dieu. Célébrer sa grandeur. Nous avons commis à monner les nations. Nous avons célébré l'accomplissement de ses promesses. Nous avons commis à monter qui a dilaté la yasala. Quand nous avons monté l'adoration, et lorsque nous montons dans l'adoration, nous croyons que c'est lui qui a vaincu la mort. Et nous croyons qu'il y a des allongements. Nous croyons que c'est lui qui change le temps et les circonstances. Il y a des allongements. Il renverse les rois pour établir le sol. Une femme dépourvue de trompe. C'est ce Dieu-là que nous venons adorer. Il guérit du sida. C'est Dieu-là est puissant. Il faut croire, ne pas douter. Et c'est qu'il continue à côté à tes parce qu'il est très grand. J'avais croisé quatre sédatiques. Un jour. Je leur ai dit un jour. Vendredi, je leur ai dit vendredi, allez vous examiner vous tous. Et vous verrez que vous n'aurez plus le sida dans vos corps. Ils n'avaient pas douté de cette parole. Vendredi, le roi n'a pas dit vendredi. Quand j'avais dit vendredi, ils sont allés à l'hôpital le vendredi. Sida ici. Et le sida a disparu. Ma téléphoné à partir de temps passé ces examens. Ils m'ont téléphoné après les examens. Ah mais non, tiens à mon nez. Ça passe à ni mon nez. Témoignant à l'église à Kabondo. On avait témoigné ça qui s'endagnait à l'église de Kabondo. T'es grand. Samba Zamoné. Il n'y a rien qui soit plus fort que Dieu. Il n'y a rien qui soit plus fort que Dieu. Non. Il faut tout simplement croire. Et Seigneur Kabondo dit ma soeur. Ne pas douter. On tient tes bêtes. Ah, c'est tellement puissant. Il est tellement puissant. Il faut dans mon thème, na yo voye ma complexe sa e place. Il faut que tu saches lui donner la place dans ton cœur. Et pour ça, le la kanzambe aza na ba possibilité illimitée. Que tu sais un Dieu qui a des possibilités limitées. Na zongi dit bien. Je réponds. Qui est que tu sais? Sa mère yo sali la ka. Aza na ba possibilité illimitée. Aza li na ba lolengi a kosalo e sanga suka. Donc ces possibilités sont illimitées. Quel que soit le problème aux anaya, quel que soit le problème que tu peux avoir. Dans ton niveau, tu te limites là. Mais ce n'est pas la fin ou la limite de Dieu. Non. Limite n'a pas été mettre. Donc tes limites ne sont pas celles de Dieu. Dieu a la capacité illimitée. Ça va sali na balolenga ko sa les abasuka. Azwa kamobola alongolia na sa tongolia parmi les grands. Il prend les riches et les lèvres pour s'asseoir avec le grand. Et on s'est gâté à ça l'économie à ça la ba université. Cela ne demande pas qu'il puisse faire les universités, les économies. Et Azwa la très sage, intelligent et basse qui huit langues. Oui, langue à ma belle. Ou bien qu'il le sache parler huit langues de la terre. Mais ceux qui s'embarquent dans un mouton, n'a pas tout le monde à Katia grand. Mais s'il décide de prendre un frère dans la poussière pour l'élever parmi les grands, il va le faire. Bibi Saint-Joseph n'a qu'à chambre à mon bon primatif. Il a fait sortir Joseph de la prison directement pour le faire gouverneur. Soit Esther esclave à commissaire reine. Il a pris Esther, une esclave pour la faire la reine de Perse. Esclave na Babylone. Daniel était tous les esclaves. Il a fait un grand dans Babylone. Sois certain de Dieu. Il n'y a pas de caca dans ma loba nzambe. Il ne faut pas douter de ce Dieu. Sala certain de Dieu. Il n'y a pas de caca na ye. Quel que soit le problème aux anas. Quel que soit le problème que tu saches qu'au nom de Jésus, il faut y soit solution. Sache qu'au nom de Jésus, tu dois avoir la solution. Il ne faut pas douter. Et c'est qu'elle est autotient.
Un jour, mon épouse a été vraiment à Liwa. Un jour, mon épouse était vraiment à la porte de la mort. Dans les soins intensifs. Dans les soins intensifs. Et les médecins ont dit c'est fini. Et ils commençaient à lever leurs gants. Dans les soins intensifs. Dans les soins intensifs. La dernière respiration. Elle arrivait déjà, elle respirait déjà à la fin là pour mourir. On a appelé une de maman, les soeurs qui étaient là. Et c'est fini, elle rend l'âme, elle est déjà à la fin de sa vie. Maman wana kimimbango a outi na porte soins intensifs ayez vers ngai. Et cette maman la fuit depuis la porte ouverte en train de pleurer. Maman qui et maman part. Elle meurt. Na ebisi na no talanda na. Regarde-moi d'abord. Papa c'est la plus. Elle a essuyé les larmes. Abi, est-ce que mon gars azolé? Est-ce que tu me vois en train de pleurer? Abi, non papa. Le gars azolé la tête. Quand je ne pleure pas, à profiter. Elle n'est pas morte non plus. Alors on a poussé la porte sur un soin intensif. Alors que je me suis approché de la porte des soins intensifs, j'ai frappé la porte. Nalobi pour permettre que Azonga na bomo. Je leur ai dit permettez-moi que ma femme puisse revenir en vie. Moi j'entre là-bas. Bah c'est qui là? Ils se sont moqués de moi. Alobi entre. Kuta kuta. Nakuti nakuti bangono soba sangisa ba. Je leur ai trouvé en train de rassembler leurs ustensiles de travail. Azokatana déjà mon thème. Elle rend déjà la dernière respiration. Elle est dans les dernières respirations. Moi je l'ai. Moi je commence maintenant le travail. Les médecins m'ont cédé la place. Il faut être certain de bien. Et c'est que le Kibisa Madame. J'ai commencé à évoquer les promesses du Seigneur. Nabadi kobele la ilaka ya kolo. Nazo tato la grandeur ya Nzambe. J'ai commencé à déclarer et à témoigner la grandeur de Dieu. Mais ma femme respirait déjà pour rendre la. Un médecin balongoni déjà ba gana ba. Les médecins ont enlevé les gants, le travail est fini. Oh, azo kata déjà motema. Parce qu'elle meurt déjà, elle est à la fin, ce n'est pas important. Mais tout l'oubli ma promesse de Dieu. Maintenant, on a invoqué les promesses de Dieu. Et Dieu fidèle n'a jamais menti. Mbalamoko a respiré normal. Et directement, elle a respiré normalement. Et les médecins ont commencé à crier. Elle est revenue. Dans les urgences. Et cela veut pousser une sœur catholique d'abandonner leur église. Elle a dit nous nous plaquons vraiment dans notre église. Parce que c'est l'église catholique. L'hôpital catholique. Parce que c'était l'hôpital des prêtres. Mais non. Non. Nous nous jouons. Alongwa qui sert. Elle a quitté. La miracle a dit qu'il a. Elle a quitté l'église catholique par le miracle qu'elle avait vu. C'est pourquoi il faut être certain de dire. Yahwa ne seigneur ni misama na malo. Situation pose à la même macasse. La situation peut être difficile. Tu peux renverser ça. On peut dire qu'on peut la yambo. Tu peux les renverser. On peut dire qu'on Mongola. Même comme une souk et taille sabique, même si tous les signaux donnent que vraiment il n'y a plus de points vitaux, donc. Mais le fait que le fait que tu es un enfant de Dieu, tu peux tourner ça. Pourquoi ils vont renverser à beaucoup pas le sangot? C'est pourquoi dans un souk, sois certain de Dieu. C'est pourquoi je t'ai dit que tu dois être certain du Seigneur. Dans ta vie, n'a pas moins naïo. Quel est le problème sa solution? Quel est le problème que tu vas avoir que tu n'as pas encore donné de solution? Que tu es convaincu que ce problème est plus grand que l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Mais pourquoi tu dois toujours être là dans des soucis et beaucoup d'inquiétudes? Jésus a vaincu. Jésus a longaka. Et à l'homme qui est mort dans la croix, tout est accompli. Et lui-même avait dit qu'à la croix, il y a un souko qui s'amit. Il n'y a rien qui n'est laissé. Quel que soit le problème. Quel que soit le problème. Rassure-toi que Jésus-Christ a vaincu. Il n'y a pas de soit longa.
Marche avec le nom du Seigneur comme une bannière. Comme un étendard, comme une bannière. Le pour la bendele yelonga. Parce que ceux qui bitumba ezali netena bamboka. Parce que s'il y a des guerres, des batailles entre pays. Ceux qui mboka musu alongi mabele. Si une nation arrive à conquérir cette terre, le monarque contient une bannière. Le signe de la victoire, il mettra sa bannière bendele. Jésus-Christ est notre bannière. Et c'est Jésus-Christ qui est notre bannière. Tambola na ye lokola bendele na yo na kati li kambunyos. Marche avec lui comme ton étendard dans tous tes problèmes. Kotutete, ne doute de rien. Tu es là. Sabe asayua. Kotutete, ne doute de rien. Il est là. Asali. Asa musika na yo. Il n'est pas loin de toi. Il est vraiment en toi. Asali peta kati na yo. Kotia te peta. Dima. Situation elle va changer. Et cette situation changera. Cette situation va céder la place. Au fond de la caolota kakabasi. Et toi, tu n'as que des cauchemars de femmes. Ma femme en nuit, aux olas, aux olotas, mi bali, baosananayo, ya ma mari de nuit. Crois que fuis si là au nom de Jésus. Crois que cela doit cesser au nom de Jésus Christ. Yo, ça n'a pas comme source. Toi, tu es dans un autre. Mais d'autres, non, solo, t'as qu'à vous, on a beaucoup d'amis dans le village. Mais tu as toujours des cauchemars, tu rentres dans ton village. Boya. Donc, il faut refuser les têtes songes, bien aimé. L'oba que bando, ton émoana, et y'a qu'à les sous-souter. Dis au Seigneur que des têtes songes ne reviennent plus jamais. Et aux gens vivants, aux autres, t'as pas tout si pas. Quand tu es vivant et que tu ne songes qu'au mort, toujours au cadavre. Il faut repousser les têtes songes. Ce sont des choses qui bloquent ma vie à bateau. Et ça, il n'y a pas de ma vie à bateau. Pour y avoir vraiment dans ta prière. Refuse cela dans tes prières. Et mon thème, c'est que je suis en train de sois persuadé que le Seigneur est avec toi. Et que tout est leur côté. Et ne doute de rien. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu qui a ma possibilité illimitée. Dans mon thème, tu dois croire en cela dans ton cœur. Que Azala capable de mettre de la mort à la vie. Qu'il est capable de prendre quelqu'un de la mort vers la vie. Azala capable de colonger la mort dans l'obscurité à conduire la lumière. Il est capable de faire quitter l'obscurité vers la lumière. Azala capable de colonger la mort chaque jour. Il est capable d'enlever à quelqu'un le désir de toujours commettre l'impudicité, l'adultère. Mais il devient saint et il ne parvient plus à tomber dans le péché. C'est lui qui fait cela. Donc le salut, c'est lui qui l'apporte. Il est capable de Il est capable de douter des colères fortes que tu as pour faire sortir de mauvaises paroles. Et te rendre un homme doux. Et mettre des bonnes paroles dans tes lèvres. Des paroles de paix. D'autres gens se glorifient. Moi, tu vas avec moi, j'ai de mauvaises paroles. Comment il se glorifie dans ça? J'ai des paroles si je t'aime. Tu vas pas dormir là-dedans. Donc, vraiment, il se glorifie dans ça. Ce sont des démons. Sans connaître que ce sont des démons qu'il a mis. Ils vont refuser cette nature. Et non! Il faut que nous ayons des paroles assaisonnées de sel. Et ce qui est dans la maloba ya popolo, où est Tiamina Mungwa? Maloba ya kimia. Des paroles passives. Et son tonga et si kanyo soazani. Les paroles qui édifient partout, je me retrouve. Il y a d'autres mamans ou d'autres papas. S'il est en colère, il peut dire même à son enfant. C'est il fallait même que tu meurs même dans mon sein. Mais c'est sorti de sa propre vie. Normal. Et puis elle les trouve normales. Sans savoir que c'est son enfant qu'on est en train de sacrifier par elle-même. Ils ont un pouvoir et la langue qui vise.
C'est dans la langue qu'il y a le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Et toi, par la colère, tu déclares même la mort sur tes enfants. Tu sais combien tu les as livrés entre les mains de l'ennemi Satan? Il faut toujours avoir la pensée d'un vainqueur. Mais reste pour la première, moi je ne réussirai jamais. Moi je réussirai. Même si je ne vois personne qui peut me secourir, le véritable secours c'est Jésus-Christ. Tu parles sans regarder les gens et tu déclares que je réussirai. Moi je serai élevé. Vraiment tu le déclares. Sois certain de Dieu. Pourquoi tu seras là comme si tu es privé du Sauveur? Comme si tu es abandonné. Le Seigneur avait dit qu'il ne nous laissera pas des orphelins. Vous allez toujours na biso. Ne mets pas trop d'inquiétude dans ta vie. Relève la tête. Quel est ça mon tout? Et bien que Christ a tout vaincu. Et sache que Christ a tout vaincu. Et tout dans la carte n'a eu que Yesu alonga. Et que cela puisse remplir ton cœur que Jésus-Christ avait vaincu. Stérilité au nazana yango. Et combat au nazana. Jésus alonga yango pour ne pas féconde. Jésus-Christ l'avait vaincu en fait que je sois féconde. Maladie au nazana yango. La maladie que j'ai dans mon corps. Jésus alonga yango que tout est accompli. Yesu alonga yango que bah il m'a secouru. Ma maladie au yamema car. Et même cette maladie Jésus l'avait porté. C'est comme ça la foi des saints. Et ça pour moi n'est pas du maman sans tout. Il confesse la victoire. La que l'on a bon mouille. Problème est envoyé à Dieu ma colonne à Banico. Tato la longue pour changer. Un tel un problème s'est surgi. Il met ses genoux et puis commence à déclarer la victoire. Dieu est comme ça. À l'ingaka. À mon anakat na moto. Confiance. Le Seigneur veut voir la confiance en nous. Il n'est pas voir en toi des agitations. Le problème est directement trop agité. Donc il y a un problème directement, tu t'agites. Agitation là, c'est les malins. Cette agitation là, c'est les diables. Il veut te contrôle. Il veut te faire manquer de contrôle. Qui me dit pas en bé. Pour que tu ne saches pas fuir vers le Seigneur. La Bible le dit. La Bible est c'est dans la tranquillité. Et ça dit kimia. Et dans le repos. Pena bo pemi. Là c'est dans Esaïe 30. Là c'est dans Esaïe 30. À partir de verset 15. Partie de verset 15. Dans la tranquillité, dans le repos. Na kimia pena bo pemi. Que viendra votre salut. Pelo biko na bino ne kouta na cela wana. Il faut être très posé dans le problème. Il faut être très posé dans le problème. Croire que le Dieu que tu sers est plus puissant. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans les morts. Il faut croire ainsi. Essayez l'ultima bongo. Que Dieu te bénisse. Et toujours continuer, toujours, toujours lecture. C'était très utile aux enfants. Exhorté, fortifié. Et nous prenons notre lecture car c'était très utile que tu sois exhorté. Nous lisons Apocalypse 12, les versets 6 et le verset 18. Le verset 6, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et la femme s'enfuit dans le désert. Moi, c'est Akimaki Nakata Isobe. Où elle avait un lieu préparé par Dieu. Wapi Azalaki Nesiko Ebongi Samaki Nanzambe. Afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Poète Kuna Aleisama Mikolo Koto Moko na Kamami Bale na Tukumotoba. Et il y eut guerre dans les ciels. Et tombe Zalaki na Likolo. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Mikaeli et l'ongona banjelo naye babundisaki dalagona. Et les dragons et ses anges combattirent. Pe dalagona na banjelo naye babundaki. Mais ils ne firent pas les plus forts.
Kasi bango bazalaki na makasi te. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et si kana bango ezwamaki lisusu na likolo te. Et il fut précipité. Pe abwaka maki. Le grand dragon. Ye dalagona mon. Le serpent ancien. Nyoka na kala. Appelé le diable. Abiangami tabolo. Et Satan. Satana. C'est lui qui séduisit toute la terre. Oyazala ki ko zimbisa mokili mobimba. Il fit précipiter sur la terre. Abwaka maki na mabele. Et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait. Maintenant le salut est arrivé. Sikoyo lobiko est commis. Et la puissance. Penguya. Et le règne de notre Christ. Pebokozinanzambe. Et l'autorité de son Christ. Pebokozina Christo na ye. Car il a été précipité. Pambate ye ase abwakami. L'accusateur de nos frères. Mufundi na bandeko na biso. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux, makolo, et vous qui habitez dans les cieux, bino bafandi ya makolo, malheur à la terre, mawana mokili, et à la mer, pena mai monene, car le diable est descendu vers vous, poete diabolo akiti epai na bino, animé d'une grande colère, wana azali na nkele monene, sachant qu'il a peu de temps, wana ayebi eti aza na ngonga moke. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme. Enfin qu'elle s'envola au désert. Vers son lieu où elle est nourrie un temps et la moitié d'un temps loin de la face du serpent et de sa bouche. Le serpent la sent de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Enfin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourit la femme. Et la terre ouvrit sa bouche. Et engloutit le fleuve. Que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, et ils se tiennent sur les sables de la main. Que Dieu bénisse les cieux. Amen. Thank you. Nous marchons petit à petit par la grâce de Dieu. Nous marchons petit à petit par la grâce du Seigneur. Ezali l'enseignement ya setso. C'est notre enseignement sur les setso. Talisaki que Apocalypse 12 ezana ngokaka setso. Nous avions montré qu'Apocalypse 12 c'est le setso seulement répété. Aussi, avait aussi montré Apocalypse 17, 18 et Zakaka setso. Apocalypse 17 et 18 sont aussi le setso. Et en gros, toujours tambour, nanu awa en Apocalypse 12. C'est
pourquoi nous marchons dans ces chapitres d'Apocalypse 12. Na ebandeli ya écriture ya Apocalypse 12. Au début du chapitre 12 d'Apocalypse. Pore marakaki kibunguna. Nous avions remarqué l'adversité. Donc batalisa kibiso grand signe na ciel. On nous avait montré un grand signe qui parut dans le ciel. Une femme. Moi si mon corps. Mazalaki na grossesse. Qui était enceinte et Azalaki n'a temps et enfantement et qui était pendant le et qui était dans le temps de l'enfantement Azalaki qu'on criait pour la douleur et elle criait à cause de douleur Totalisaki femme ouana on avait montré que cette femme enceinte Oyazana grossesse qui est enceinte et Zotalisabiso l'église représente nous l'église du Seigneur. Tosebazaki n'a pas texte né sur quelles écritures nous nous étions basés. Permettez, toujours écrit par la grâce de Dieu. Nous avions pris par la grâce de Dieu. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16. Toujours écrit verset 20 et verset 24. Nous avions pris le verset 20 jusqu'au verset 24. On a demandé que Jésus a zolobé la barbasse, oyo bisoto komona na mabele, avant bisoto za la manifester. Là, Jésus était en train de parler des souffrances que nous vivons sur la terre avant que nous, l'Église, nous soyons manifestés. Jésus parlait au sujet de l'Église. Mais verset 23 et à Jean 16. Mais nous avions vu au verset 23 de Jean 16. Alors, qui boyait, Jésus avait dit ceci. Moi, c'est un voisin, pas si à Kobota. La femme, lorsqu'elle est dans les douleurs de l'enfant, elle sait bien que son heure est arrivée. Et qu'elle traverse les douleurs. Mais lorsqu'elle donne naissance à un enfant, elle ne se souviendra plus de ses douleurs. Pour un homme est venu dans le monde. Maintenant, on avait regardé la suite de l'écriture. Le verset 23 et 24. Il y a Jean 16. Toujours des Jean chapitre 16. Si à comparer pas si à propos tawana. Jésus compare ces douleurs d'enfantement là. Alors dit vous de même. Donc Azolobela, l'Église peut accolir si à propos. Donc l'Église aussi va traverser les douleurs de l'enfantement. Yango tomona qui Apocalypse 12. C'est pourquoi nous avions vu Apocalypse 12. Tango bazola qui moi si azana si azana pas si à propos. Lorsque nous montre la femme enceinte dans les douleurs de l'enfantement. Moi si wana aza elemoya biso l'Église. Cette femme là est le signe ou l'image de nous l'Église du Seigneur. Banda ba Pierre ba Jean, ba Jacques, na Jérusalem, ti, ba, ekeke, nyon, solo, l'église, azo, tambola. En commençant depuis le Pierre, Jean-Jacques, tous les apôtres, et jusqu'à la marche de l'église aujourd'hui. Maintenant, na point wana ya verset premier. Maintenant, ce point-là du verset premier. Tolobaki moyen, lobaki moi si wana, aza, Israël, ezate. On avait dit qu'il n'y a pas moyen que tu puisses affirmer que cette femme-là est Israël. Bon année. Pourquoi? Tobesaki. Deux passages. Nous avions donné deux passages. Exode 23. Exode chapitre 23. Le verset 26. Le verset 26. Et le dit que Namabele Oyobokokota, Namboka Oyobokokota. L'écriture nous dit dans le pays que vous entrerez. Moi si à Kosopazé mi à Kozalate. Il n'y aura pas de femme qui avorte. Moi si à Kumba Kozalate. Ni celle stérile. Topé c'est que aussi Deutéronome 7. On avait donné aussi Deutéronome 7. Le verset 14. Le verset 14. Et répété et le commandement. Deutéronome n'a répété que ce qu'avait dit Exode. Maintenant, on avait fait montrer dans notre exposé la terre que le Seigneur avait donnée à Abraham. La terre promise. Ezalaka elembo etalisaka Jésus-Christ ye moko mabele ya solo ya bomoi. Cette terre représente Jésus-Christ de lui-même, la terre et repos. Wana totangaki na bino Hébreu 4. Là nous avions lu avec vous Hébreu chapitre 4. Na verset 3e elobaki. Au verset 3, l'écriture nous avait dit. Bona biso ton demi-parole. Pour nous qui croyons à la bonne nouvelle.
Nous entrons dans le repos. Donc, repos. Donc le repos représente. Nazalaki. J'étais un impudi. J'étais un haineux. Escroc. J'étais un escroc. Mes œuvres n'étaient pas bonnes. Mais je me suis vu me reposer dans toutes ces œuvres-là. Donc ces œuvres-là ne sont plus là. C'est pourquoi Paul avait dit. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vient à moi. Paul a senti le pouling. Lorsque Paul ressent l'amour de Dieu, il voit la vie du pardon dans sa vie. La grâce. Il voit la grâce du Seigneur. Il dit, moi Paul, je n'étais pas comme ça. Là, lui, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Et c'est ce qui représente le repos dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui. Israël avait rejeté ce repos-là. Et ce repos-là, c'est Jésus-Christ. Maintenant, Jésus. Maintenant Jésus-Christ qui est le repos véritable. C'est le même dans Matthieu 17. Verset premier. En lisant le verset premier, Pierre, Jean, Jacques. Il avait pris Pierre, Jean et Jacques, son frère. À Matthieu, à Bango, la montagne. Il les a amenés au sommet de la montagne. Sokotangi verset 2e à Matthieu 17. En lisant le verset 2 de Matthieu 17. Azala qui transfiguré. Yeso Bongo Anaki. A komaki comme le soleil. Et son visage devint comme le soleil. Maintenant, pour Zoéki Kaka que Jésus a un soleil. Mais on avait pris seulement la portion de Jésus comme soleil. Dans Matthieu 17, verset 2. Dans Matthieu 17, le verset 2. Maintenant, Tokei na Romains 13, verset 14. Maintenant, nous étions rendus dans Romains 13, le verset 14. On a balobi. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et là-bas, nous disons là, t'as coloré sous le col et là-bas. Or, Yesu en a des mots. Or, c'est Jésus là-bas qui est le soleil. Ce qui bolatie. Si vous revêtez le col, vous allez envelopper du soleil. C'est l'avenir que vous serez revêtu du soleil. Y a mon être au monde en Apocalypse 12. Et c'est ce que nous voyons dans Apocalypse 12. La femme enveloppée du soleil. Moi, si en attend mot, il le col et là-bas. Réponse dans Opposona Romains 13, verset 14. Et cette réponse est dans Romains 13, verset 14. Lata Jésus Christ. Réveille-toi de Jésus Christ. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, argument wanande to tambola ki na yango enseignement. C'est avec cet argument que nous avions fait la marche de notre enseignement. On avait montré que la couronne qui était sur la tête de cette femme avait 12 étoiles. Bon, on peut expliquer couronne. Pour expliquer la couronne. Besoin qui Proverbe chapitre premier. On avait pris Proverbe chapitre premier. Besoin qui verset 8 na 9. On avait pris le verset 8 à 9. Vous voyez aussi Job chapitre 36. Nous avions pris aussi Job chapitre 36 et verset 31. Le verset 31. Kuna na katabe écriture on a na Proverbe 1 verset 8 9. Là-bas dans ces écritures là des Proverbes premier le verset 8 à 9 et Job 36 aussi verset 31. Et Job 36 le verset 31. Là-bas, nous avions vu l'enseignement par la kisakayango lokola couronne. Lila kisieta lisamakape lokola motole na motu. Alors, place wana est à 12 étoiles. Maintenant, dans Apocalypse 12, c'est une couronne de 12 étoiles. Ils ont dit ça et l'embo, il y a 12 apôtres. Pour représenter le 12 apôtres, enseignement où le Christ a baissé qui va. L'enseignement que le Christ leur avait laissé. Et on des otalisa manakate à la femme. Et c'est ce qui représenté dans la femme comme la femme. Qui aussi la ligne et si la femme a tient ma colo. Nous avions aussi parlé de la ligne sur laquelle la femme avait posé ses pieds. Pour se baser qui na Josué chapitre 1er. Nous nous étions basés sur l'écriture de Josué chapitre 1er. Verset 3. Le verset 3. On a parlé de Esika au tient. Là où tu poseras, où tu poses la plante de ton pied, je te le donne, cela t'est donné. Par là, tu comprends? Par là, nous avions compris. Et si quand moi, si Apocalypse 12 a tiré ma tambe, là où la femme d'Apocalypse 12 a posé ses pieds, et cela lui est donné. Donc,
place wana la lune. Donc à cet endroit-là, la lune aza comme héritage. Et comme l'héritage de la femme. Libula ya mwasi. Donc l'héritage de cette femme. Or, tomona ki héritage na biso c'est Christ Jésus. Alors nous avions vu notre héritage, c'est Christ Jésus. La ville du repos. Mokato et Kumbamope. Na Hébreu 4. Dans Hébreu chapitre 4. Maintenant tu avances. Maintenant on avait avancé. Tolobakiboy. On avait dit ceci. Na kati ya eteni oyo mabele oyo biso tozwi. Dans la portion de terre que nous avons reçue. Tozwi ki yango na lisolo ya Naaman. Nous l'avions reçu dans l'affaire de Naaman le Syrien. Tolobakiboy. On avait dit ceci. Topesaki Exode 20. Nous avions donné Exode 20. Na verset 24. Au verset 24. On en zamba pesaki Israël mitindo. Là, le Seigneur avait donné ses commandements à Israël. A tongelaye hôtel ya mabeli. De lui bâtir un hôtel de terre. Pea banda kotia bambe kape biboma likolo ya hôtel ya mabeli. Et de commencer à sacrifier sur cet hôtel de terre. Mais ce qu'on l'a dit suite, il y avait écriture. Mais si tu regardes la suite des écritures, la Bible, dans toute la Bible, Israël a toute sa ordonnance à la terre. Israël n'avait pas obéi ou pratiqué cette ordonnance. Israël ne bâtissait que l'autel de pierre. Donc, à Zakotonga, selon Exode 20, verset 25. Donc, Israël bâtissait l'autel selon Exode 20, le verset 25. Mais il y a verset 24. Mais l'autel du verset 24, Exode 20, Exode 20, Israël a salé la. Israël n'avait pas bâti cet autel. Mais Atoluka qui n'a ni ango azoa mabele pour asalango comme autel. Mais nous on avait cherché qui dans les Écritures avait pris la terre pour l'ériger en autel. Tuyomona mopaya mokwaza qui na maladie à lèpre. Mais on avait vu un étranger qui était frappé par de la lèpre. Dans 2 Rois 5. Dans 2 Rois chapitre 5. Naaman le Syrien. Naaman le Syrien. Tangwa bikaki. Lorsqu'il fut guéri. Zokozu verset 16. Na 17, il y a des rois 5. Si vous prenez les versets 16 et 17 de 2 rois 16, Azaki n'a besoin à Pessa quelque chose et pas à Élisée. Naaman avait besoin de donner quelque chose au prophète Élisée. Élisée avait refusé. Maintenant Naaman a l'obaki. Maintenant Naaman avait dit. Oh, permettre que Nazoa la terre, deux mesures, il y a terre. Et permets-moi que je prenne la terre comme terre, que je puisse l'amener. Enfin que na kende na yango na mboka na biso ya papaya. Enfin que je l'amène dans notre pays qui est un pays étranger. On a quoi adorer les sources bikeko. Pour ne plus adorer les idoles. Na yebi ke lelo na mabele nzambe zande nzamba Israël. Et je reconnais aujourd'hui que le Dieu sur la terre n'est que le Dieu d'Israël. Na manu wana zalaki elembo ya biso papaya. C'est Naaman le Syrien était l'image de nous les étrangers. Biso nde tozwa mabele ya Israël. C'est nous qui prenons la terre d'Israël. Le yango comme hôtel. Et nous l'érigeons en hôtel de terre. En hôtel de terre. Mana Exode 20 verset 24. Suivant l'écriture de 20 verset 24. Voilà nous sommes en Exode 20 verset 24. Suivant l'écriture de 20 verset 24. Naaman de azwa hôtel de terre. C'est Naaman qui avait pris l'hôtel de terre. Azui yango. Naaman l'a pris. Oui. Azui hôtel de terre. Il a pris la terre. Et il a amené vers les étrangers. Donc dans son pays. Pour adorer le Dieu d'Israël. Donc tout le monde qui Israël a wangana hôtel de terre. On a vu que Israël avait régné l'hôtel de terre. Mais mupayande andima kozwa terre akenango na mboka papaya afuka melanzambe na hôtel de terre. Mais un étranger avait consenti de prendre cette terre et l'amener chez les étrangers pour adorer le Dieu d'Israël. Que représentait ce signe? Pour représenter que le Dieu qui est esprit, lorsqu'il viendra comme un homme, comme une terre, Israël ne l'adorera pas. Donc tant que moni Jésus-Christ a été. Donc lorsque tu vois Jésus-Christ, Israël a yamba été. Israël ne l'avait pas crucifié. Israël a crucifié.
Bible le bi, la Bible dit le fait que yende à la parole, le fait que c'est lui qui est la parole, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc hôtel de terre, donc cet hôtel de terre et yena ngambo na biso, est venu de notre côté. Bison de ton. C'est nous qui avions cru en lui. Nous avons la facilité d'affirmer que c'est Jésus qui est le Dieu véritable. C'est ça le signe de Naaman qui prend la terre naturelle pour ériger l'autel en fer qui sacrifie. Mais la terre qui provient d'Israël. C'est pourquoi nous montrons qu'Israël a rejeté Israël la parole. A rejeté la parole. Israël a rejeté la parole. On avait avancé. On avait vu l'adversaire ou l'ennemi de la femme. Dragon rouge. C'était un dragon rouge. Ce dragon. Dans la Gonamana. Azalaki na sept têtes. Avait sept têtes. Na dix cornes. Et dix cornes. Tomonaki encore na verset. Troisième, deuxième, la troisième, et Apocalypse 12. Au verset 2 et 3 d'Apocalypse 12. Et à partir du verset 3. À partir du verset 3. Un autre signe pareil. Encore dans les ciels. Et les bobos sous ce piment qui bisousou. Et voici, c'était un grand dragon rouge. Et ayant sept têtes et dix cornes. Et sur ses têtes, sept diadèmes. Tu expliques qui? Nous avions expliqué. Le programme y a dragon oeil. Que le programme de ces dragons. Et Zala qui? Moi, si à son basé. C'était pour que la femme puisse apporter. Donc, à bout de la moine, en il puisse ravir le fils qui était dans le sein de la femme. Or, moi, si son gazan pays. Or, si la femme est dans le pays. Pour son basé, mais ça n'est pas la la promesse est qu'il n'y aura pas d'avortement pour elle. C'est pourquoi nous avions vu cette femme qui n'avait jamais, qui n'avait pas avorté. Et là nous voyons les signes du fils comme la vie. Celui qui a le fils a la vie. Donc, c'est par ces signes que nous représentons. Lorsque nous voyons les dragons qui n'étaient pas parvenus à manger ce fils, c'est pourquoi nous affirmons qu'Adam au bon aliment côté à couper et puis ça m'a. Donc l'église est Bokota jamais na liwa. L'église n'entrera jamais dans la mort. Zamba ko préserver toujours un reste. Le Seigneur préservera toujours un reste. Et c'est ça que nous avions. Maintenant, tu répondais qui n'a dit qu'il y a sept têtes dans le monde du diable. Maintenant, on avait répondu sur sept têtes du côté du dragon. Tu t'as dit Apocalypse 17. On avait lu Apocalypse 17. Ma tête, toi, ils ont dit ça par royaume. Ces sept têtes représentent les royaumes de la terre. Par royaume, il y a ma belle, oh, et domina ma belle. Les royaumes de la terre qui ont dominé la terre. Et ben, dit Égypte. Cela commence par l'Égypte. Après Égypte, Assyrie. Après l'Égypte de l'Assyrie. Après Assyrie, Babylone. Après l'Assyrie, Babylone. Après Babylone, Médo-Perse. Après Babylone, Médo-Perse. Après Médo-Perse, Grèce. Après Médo-Perse, l'Empire grec. Après Grèce, Tosana, Rome. Après Grèce, nous avons Rome. Wana Rome, politique païenne. La Rome qui domine la politique. Dans Rome, Oyoyo. Aza blessé. Lorsque la Rome politique. Donc ils ont été panzani. C'est comme la dislocation de l'Empire. Parce que déjà l'écriture révélait qu'on Apocalypse 13. Parce que l'écriture en avait déjà parlé dans Apocalypse 13. Et une tête qu'on a la blessé à mort. Mon tout monde qui s'en a peiné le col à l'ivoire. Oh, et qu'on remplace cette tête là, ce qu'ils ont blessé. Donc ce qui va remplacer cette tête blessée à mort. Besoin qui. Apocalypse 13, verset 1er. On avait pris Apocalypse 13, verset 1er. Après, Apocalypse 17. Après, verset 15. Apocalypse 17,
Verset 15. On avait vu dans Apocalypse 13, le verset 1. La bête nazaki likolo ya mayi. C'était la bête qui était au-dessus des eaux. Token Apocalypse 17. On est allé dans Apocalypse 17. C'est la femme nazaki likolo ya mayi. C'est la femme prostituée qui est sur les eaux. Donc cela veut dire bête aux eaux mona likolo ya mayi. Attention quand ça blessé, c'est la femme nazaki likolo ya mayi. Cela veut dire que la bête que tu vois sur les eaux, même si elle est blessée, c'est la femme. Elle est maintenant la femme qui est sur les eaux. Et tout à l'heure qui maintenant. Et nous avions remarqué. Et cette femme Azani Kolona Mai a fendé là la bête. Et cette femme qui est sur les eaux était assise sur la bête. Wanatang Azana désert. Là lorsque des femmes Azana désert. Là lorsque la prostituée est dans le désert. Natangi Amona. Verset 3. Le verset 3 d'Apocalypse 17. J'ai le nom de Jésus-Christ. Amen. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate. C'est pourquoi j'affirme. Dans Apocalypse 17. Cette femme prostituée a deux positions. Cette femme prostituée a deux positions. Dans le désert. Dans les déserts. Et sur les eaux. Et Nicolas Mamaï. Na désert azalaki assise sur une bête. Dans le désert, elle était assise sur une bête. Sur les eaux, afanda ki ye moko. Et sur les eaux, elle était elle-même assise sur ces eaux-là, mais elle avait en elle la bête. Ces déserts ici, c'était comme l'image du jugement pour la femme. Et Dieu a kobongi sapo, a kokako, humilier. Que le Seigneur va préparer pour l'humilier. Pour l'abandonner. Parce que Nzamba Zakolo bien sûr, les jugements de la prostituée. Oui, Nzamba Zalaki Kolobele Sapiselo Yamwasi. Yango Atali Siye Nano na désert. C'est pourquoi le Seigneur l'a montré dans les déserts. Désert et Tali Sakaba et Mwebele. Les déserts représentent plusieurs signes dans les déserts. Et Tali Saka aussi, Lokola, la chose qu'ils ont abandonnée, méprisée. Le désert représente aussi la chose abandonnée, méprisée. Oh, yon zamba ko considere te. Que le Seigneur ne va plus considérer. Nazui texte moko. Je prends un texte. Na livre ya Isaïe. Dans le livre du prophète Isaïe. Nazotanga ya bona kombo na Jésus Christ. Je le lis au nom de Jésus Christ. Parce que élément nyonso, il faut comprendre yango pour. Parce que tu dois comprendre tous les éléments afin que tu n'aies point de difficulté. Parce que Nzambe a tellement monen. Parce que le Seigneur est tellement grand. Abongiseli biso makambo ya minene koleka. Il nous a préparé de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce que Nzambe abongisi a rejeté yo. Parce que si le Seigneur prépare sache que cela ne changera jamais. Parce que Dieu est tellement grand. Oui, tes ambassades, mon aimé collègue. Que tu sois loué. Mais Mais le Seigneur ne nous a pas destinés à la destruction. Zamba destiné biso à la vie. Mais le Seigneur nous a destinés à la vie éternelle. Et c'est pourquoi tu glorifies Akaye. C'est pourquoi nous les glorifions bien aimé. Zambé azali zambé monene. Le Seigneur qui est tellement grand. Zambo azali zambé abomoy. Le Seigneur qui est le Dieu vivant. Ah, il faut tenir toujours ferme parce que Zamba kosakate. Il faut toujours tenir ferme parce que Dieu ne ment jamais. Et Dieu vous bénisse. Amen. Donc c'est que na kati na yango, c'est-à-dire dans tout ça. Je vais donner cette écriture après. Donc na kati na yango, il faut na yo oyé baboye que. Donc dans tout cela, tu dois savoir ceci. Ma tête wana. C'est cette tête. Ezalaki na ba motole. Avec de couronne ou de diadème. Il y a un koloba. Cela veut dire au conti à Égypte. Donc la domination, la puissance de l'Égypte. C'est la première tête qui avait le diadème. Donc elle dominait. Assyrie.
la Syrie. Azalaka pe couronné. Elle était aussi couronnée. Azalaki na trône de la terre. Elle avait aussi le trône de la terre. Et autant bazo présenter les diables. C'est pourquoi lorsqu'on présente les diables, les dragons, le dragon, Azana sept têtes et sa couronnée. Elle a sept têtes couronnées ou avec des diadèmes. Ça pendant qu'on t'a dit que ma tête là, ce sont des puissantes nations. C'est pour montrer que ces têtes là sont des puissantes nations. Donc après sixième Oyo Ezali Rome païen. Après sixième Ototangaki. Sixième que nous avions lu. Rome païen. Rome païen. Septième tête. Eza Rome papale. On va présenter Napoléon 17. C'est Rome papale qu'on a présenté dans l'Apocalypse. Omoni, Nicolas Maï, Napoléon 13, Ezalaki na bête. Vous voyez sur le zoo, c'était la bête dans l'Apocalypse 13. Nicolas Maï, Napoléon 17, Ezalaki la femme prostituée. Et sur le zoo d'Apocalypse 17, Ezalaki moi Sindumba Nazaré. Donc, Ezu place et Apocalypse 13 verset 1er. Donc, la femme prostituée a pris la place de la bête dans l'Apocalypse 13. Donc, tant aux hommes, la bête dans l'Apocalypse 13, Ezalaki Rome païenne. Lorsque tu vois la bête d'Apocalypse 13 qui était Rome païen, qui est tombé, ils en étaient un mystère. C'est comme s'il est allé en mystère. Et en Apocalypse 13 a s'élevé. Donc la bête d'Apocalypse 13 s'élève avec cette femme prostituée. Namoisi wanandumba. Yango tozo benga Église catholique romaine. Et c'est ce que nous appelons l'Église catholique romaine. C'est la femme prostituée. Ils allaient moisi ndumba mubiba. Donc combat Nyonsoana et Zali contre l'église et Sangani maintenant pour combattre l'église. Et tous ces combats-là, c'est contre l'église du Seigneur. Ce sont pas puissantes nations. Et ces têtes-là sont des puissantes nations. Ils ont combattre la femme dans Apocalypse 12. Qui combattent la femme dans Apocalypse 12. Heureusement, le programme du Seigneur Moutouta est face à Kang. Heureusement, le programme du Seigneur n'est effacé par personne. Projet en Zambé est Tikalaka de génération en génération. Les desseins de l'Éternel demeurent de génération en génération. Il dit la chose arrive. À l'obakapé l'obekomi. Il ordonne cela existe. Après sa kamouti l'obé zalisami. Et on va remarquer. Et tu vas remarquer bien entendu. Que moi Nazala qui dévoré et Fosimbaka Mobo. Que le fils n'était pas dévoré, tu vas le saisir. Cela veut dire que l'église a commencé à la perfection. Cela veut dire que l'église parviendra à la perfection. Après Peyomona, ses fils a keina. Après nous venons remarquer ses fils enlevés vers le trône. Wanatang Tozana, verset 5e Apocalypse 12. Et là, lorsque nous sommes au verset 5 d'Apocalypse 12, la totalisa kiline toi, yabiso, église yaboye komi. Là, nous avions montré l'enlèvement de notre enlèvement à nous, l'église qui parvient du temps d'une dénonce. Donc, l'épouse de l'agneau. Moi, si Alibala est à moi, Yéwana commis comme fils. C'est elle qui est maintenant comme fils. Ma passage, tu utilises. Les passages que nous avions utilisés. 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. On a ton mona qui te rota dans un zéro miroir, une image. Là-bas, on avait vu qu'on regardait au travers d'un miroir, une image. Vous allez transformer à la même image. Beto Pongo la mi na elili kiwane a tarata. Et puis, tous ceux qui aussi. Et puis, nous avions aussi pris l'écriture. Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11e, Tina. 14e. À partir du verset 11 jusqu'à 14, on a totalisé le but du ministère de la parole. Là, nous avions fait voir le but du ministère de la parole. But du ministère de la parole. Le but du ministère de la parole. Rôle nango eza. Le rôle est. Et même bisona bokoki. De nous amener à la perfection. Tozala Christ. Que nous devenions Christ lui-même. Voilà pour justifier qui pendant qu'on t'a dit sandengenini église et comme fils. C'était pour justifier comment l'église qui est une femme mais qui devient fils. Nous avons écrit aussi Colossiens 1, verset 27-28. On avait pris aussi Colossiens chapitre 1, le verset 27-28. Où ils ont dit ce qui est toujours comme la stature d'homme parfait. Qui montre que nous devenons la stature d'homme parfait. Oui, passage en gros, nous avons dit frère Marcel, à Pessibiso, Colo à Pambola et aussi. Le Seigneur bénisse le frère Marcel. Ésaïe 27, verset 10e. Ésaïe 27, le verset 10. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Car la ville forte
et solitaire. Boete engumba makasi etikali moto ti azali. C'est une demeure délaissée. Ezali ndako oyo bato batika. Et abandonné comme les déserts. Oyo voilà. Batika lokola lisobe. Vous comprenez? Vous comprenez? Awa désert ezana terme. Ceux qui va délaisser la chose, va abandonner la chose. Ici, le désert, c'est dans les termes d'abandon, abandonner la chose. Oui, c'est textuellement. C'est textuellement bien aimé. Apocalypse 17. Apocalypse 17. Le Seigneur a dit le terme, je voulais guérir Babylone. Le Seigneur introduit le terme na luka qui n'a pas dit sa Babylone. Mais Babylone n'a pas guéri. Car si Babylone a dit, abandonnons-la. Tout y caillé. C'est ça ce symbole-là. Yangon est le bois. Il est présent. Elle est présentée dans le désert. Donc la femme est présentée dans le désert. C'est son jugement. Esaïe ça qui se donne. Que Dieu bénisse. Esaïe 27, verset 10. Esaïe 27, le verset 10. Donc, tout à l'heure maintenant. Maintenant, nous avions remarqué. L'enfant Oyakende qui atteint sa église est commis à perfection. L'enfant qui fut enlevé représente l'église parvenue à la perfection. Dans Apocalypse 12, verset 5. Dans Apocalypse 12, le verset 5. L'argument est soutenu. Les arguments qui nous avaient soutenus. Pour moi, nawana akopetre toutes les nations. Parce que ce fils, moi, nawana akokamba bikolonions. Et nous avions cherché qui a la promesse de paître toutes les nations. Nous l'avions vu dans Apocalypse 2. Verset 26 et 27. Là-bas nous avions vu que promesse dans ma salle dans l'église. La promesse que le Seigneur a faite à l'église. L'église a paître toutes les nations. Église a kokamba dikolonions sont mabele. Et koko kisama na millénium. Et cette prophétie ou cette promesse accomplira au millénium. Nous on a dit encore dans verset 5e Apocalypse 12. On était rentré encore au verset 5 d'Apocalypse 12. Moi na wana netwami. Ce fils là qui fut enlevé. Azana elaka. À la promesse. Il y a offrande na trône na et s'asseoir sur le trône de Dieu. Donc on a dit na wana promesse offrande na trône. On avait cherché qui avait la qui a la promesse de s'asseoir sur le trône de Dieu. Nous on a dit Apocalypse 3. On était rentré dans Apocalypse 3. Verset 21. Le verset 21. On a là-bas, Balobeli, église à Laodicée. On nous a parlé de l'église de Laodicée. C'est lui qui vaincra. Oh, Yakobima Kamolo. Akofanda na trône. Il s'assira sur mon trône. Yangwe rassuré, puisque fils là, c'est l'église vainqueur. C'est ce qui nous a rassuré que ce fils là, c'est l'église vainqueur. C'est pourquoi en marchant, on a dit que lorsque l'enlèvement se fera, il y a d'autres frères, d'autres saints vont rester sur la terre. On les a vraiment appelés des saints. Mais le Seigneur a dit qu'ils ne peuvent pas être enlevés ces frères, même si les saints. Donc ils ont un niveau où ils ont besoin de mon saint pour nettoyer. Il y a un niveau où le Seigneur voit un saint qui est pour l'enlèvement. Yango tozwa ki Apocalypse 13 verset 7. C'est pourquoi nous avions pris Apocalypse 13 le verset 7. Totanga ki yango tozotanga ngoli soso. Nous l'avions lu et nous le lisons encore. Apocalypse 13 verset 7. Apocalypse 13 verset 7. Et il lui fit donner de faire la guerre aux saints. Pe ma pesa ki nyamona ya yauli makoki ya kobundi sa basant. Et de le vaincre. Pe ya kolonga basant. Et lui fit donner autorité sur toute tribu. Pe ma pesa ki kokoti likolo ya mabota nyonso. Tout peuple. Ya ekolo nyonso. Toute langue. Ya kota. Et toute nation. Pe ya mabota nyonso mabele. Oyo yekosalema. Ceci s'accomplira après l'enlèvement de l'enlèvement. Après l'enlèvement l'église, de l'église est déjà partie. Il y aura d'autres saints qui seront sur la terre. Maintenant, c'est ça ici. Nous avons vu dans Apocalypse 12, verset 17. Qu'on avait vu dans Apocalypse 12, le verset 17. Et les dragons firent irriter contre la femme. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Or, postérité ou habillé. Or, c'est qui
la postérité de la femme. Verset 5. Le verset 5. Elle enfanta un fils qui va paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fit enlever vers Dieu et vers son trône. Postérité n'est ce fils ici qui est la postérité qui était enlevée. Église la perfection. L'église parvenue à la perfection. Mais l'écriture nous dit que reste naïf et vous allez nasser. Mais l'écriture nous dit qu'il y aura les restes de cette postérité enlevée mais sur la terre. Mais on viendra lui faire la guerre par les dragons. Il y a un les dragons firent lutter contre la femme. Et dans la bonne assise qu'elle a et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Puis à qui n'a qu'au bondissaire ya kitani naïf au éthique à la terre. Reste la postérité oyo. Les restes de cette postérité. Le Seigneur a l'obaga de plusieurs manières et de plusieurs reprises. Sambe a l'obaga na balolé que bénépe na kubani la balolé. Na Matthieu 25. Dans Matthieu 25. Bah, je expliquais le royaume de Dieu. On expliquait le royaume de Dieu là-bas. Les royaumes de Dieu est comme 10 vierges. Les royaumes de Dieu semblables à 10 vierges. Donc, bah, zotel, ça va dire que 10 nions sont là-bas aux ala sauver. Donc, on montre que toutes les 10 vierges seront sauvées, bien aimées. Mais 5 basa sages. Tassi. Mitano bazali na boani. Mais 5 baza fort. Mitano baza balema. Donc ils en étaient bilanga. Donc c'est comme un champ. 10 vierges. Donc les 10 vierges. Mais bazu était ni bilanga ndambo et koti. Maintenant on prend les prémices ou la portion du champ pour entrer. Mais tu vas venir la prémisse. Donc bambuma ya yambo. Mais ingolo batenge babwa qui est langa. Maintenant ça ne veut pas dire qu'on a rejeté les champs qui restent. Bakoya susu kubuka ba on viendra encore moissonner les autres qui restent. Maintenant na kati ya 10 vierges. Maintenant dans les 10 vierges bien aimé. Na Apocalypse dans Matthieu 25. Dans Matthieu 25. 5 bakoti na elam. 5 sont entrés dans le nom. Reste maintenant. Maintenant les restes. Ils ont 5 folles. Esaïe ba mita wana ba lema. Côté à tel que 5 folles wana ba gobika te. Il ne faut pas prêcher que les 5 vierges folles ne seront pas sauvées. Non. Batikali loko la reste. Elles sont restées comme les restes de l'église. Le Seigneur ne la connaît pas en ce qui concerne l'enlèvement. Il y a d'autres personnes qui sont saintes. Mais le Seigneur ne les reconnaît pas en ce qui concerne l'enlèvement de l'église. Le Seigneur les reconnaît dans la grande tribulation après l'enlèvement. Là, c'est Dieu. Et moi, c'est manifesté dans le à zèle à moto. Cela va se manifester par rapport aux zèles à moto. L'autre est saint. Grand négligent. Il est un grand négligent. Il sera sauvé. Mais pas par l'enlèvement. Il faut qu'il souffle terriblement sur la tête. Après l'enlèvement. Après l'enlèvement d'église. Il est saint. Mais il y a d'autres saints qui resteront. Il y a d'autres saints qui seront choisis pour l'enlèvement de l'église. Donc ceux qui vont mépriser la parole, ils voient la parole une petite chose. Ils considèrent ma parole dans sa profondeur. Lui ne considère pas vraiment la parole. Il est saint. Mais il attend la grande tribulation seulement. Il sera sauvé par les terribles souffrances qui viendront sur lui. Il est saint. Mais sa manière de servir le Seigneur n'est pas comptée parmi ceux-là qui doivent être enlevés. Et sa Bible n'est pas classée. C'est la Bible telle qu'elle est classée. Alors, il y a un moment où on a perçu au verset 7e et à Boris 13. C'est pourquoi je t'ai donné. Apocalypse 13, verset 7. Apocalypse 13, le verset 7. Qui est que bien et ça, n'a pas saint, oyoyo, pour combattre, on a bête, bête à Kolonga Bango. Il y a des saints que la bête combattra et le vaincra. Kolonga wana, cette victoire de la bête, ça, Kolonga Nzoto. C'est la victoire sur la chair humaine. Moli Mote. Et non sur l'esprit de l'homme. Maintenant, au moni, oyo, la bête à Zolonga, on a verset 7e. Vous voyez ce dont la bête vint ici dans. Bango wana l'Apocalypse 15. Ce sont le même dans Apocalypse 15. Natangi à partir du verset 2e. Je lis à partir du verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et je vis comme une mer de fer. Benamona kiloko le tatoma ya talata. Nazan Apocalypse 15, verset 2, Tina 4. Mêlé de feu. Et sangana na moto.
Et ceux qui avaient vaincu la bête. Vous voyez ceux qui ont vaincu la bête. Ce sont eux ici dans le verset 7 d'Apocalypse 13, la bête a vaincu. Donc la bête les a tués dans la chair. Mais en esprit, ils ont vaincu la bête. Ce sont eux ici dans Apocalypse 7. Verset 9. À partir du verset 9. Verset 15. Jusqu'au verset 15. Avant de continuer à lire Apocalypse 15, on a chapitre 7, verset 9 à 15. Je lis d'abord le chapitre 7, le verset 9, avant de continuer. Reste. Ce sont eux ici les restes. La postérité. Et la postérité. Nabandi, na verset 9, Apocalypse 7. Le verset 9. Après cela, j'ai regardé. Et voici, il y avait une grande foule. Que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple, et de toute langue. Au moment où nous présentons la foule, vous voyez comment est-ce qu'on présente cette grande foule? Tout peuple, toute nation, toute langue. Qui était de tout peuple, toute nation, toute langue de la terre? Nayamboisande Église. Premièrement, c'était l'Église. Apocalypse dans Acte 15. Dans Acte 15. Verset 13. Le verset 13. Jacques, dans la conférence à Jérusalem. Jacques, dans la conférence de Jérusalem. Azolo Belabango. Parle au. Ce qui les concerne. Alobi que les cambo yo Pierre a outi ko témoigner sa vrai. Ce qui vient de témoigner Pierre est vrai. Alobi makambo Pierre a outi ko lomba cela s'accorde avec les paroles des prophètes. Ce que Pierre vient de dire est kokani petana maloba basa. Yoka ce que l'apôtre Jacques a zoloba. Écoute ce que l'apôtre Jacques dit. Dieu a jeté les regards vers les nations. Sabe avoir qui misunaye et pas ya bikolo ya mabele. Donc atali toute nation, tout peuple. Et par ce langage, Jacques a cité toute nation, tout peuple, toute langue. Pour choisir des milliers d'elles un peuple. On a compris la catégorie na bangonyo sobikolo libota. Ah, y a monnaie de zomona. Église, Eza, Nakata, toute nation. C'est pourquoi nous voyons l'Église dans toutes les nations de la terre. Mais Nakata, Église, on est dans toutes nations. Mais dans l'Église qui est dans toutes les nations, il y a d'autres qui vont rester. Il y a d'autres qui seront enlevés. Ceux qui vont rester, enseignez-vous dans l'image, dans l'ombre, ils sont comme les trois compagnons. Vous voyez, Daniel avait ses trois amis, ils étaient quatre. Songe à Nebuchadnezzar. Les songes du roi est venu. Et personne n'avait l'explication. Sur toute la terre. Mais révélation Daniel. Mais le Seigneur révéla les mystères à Daniel. Et dit, Daniel a expliqué. Lorsque Daniel expliqua la Daniel a continué cour royale. Et Daniel fut enlevé dans la cour royale. Donc, c'est comme ceux-là de l'Église qui seront enlevés. Mais ses amis aussi connaissaient l'explication du mystère. Parce que Daniel s'était entretenu aussi avec lui. Mais eux sont restés. Et lui-même fut enlevé. Maintenant, il est arrivé. Nebuchadnezzar a fait vraiment à ériger une statue qui se voyait. Ce qui était caché dans le songe. Mais cela s'est fait voir à l'œil nu devant les gens. On a dit que toute la terre doit adorer cette image. Trois compagnons ensemble. Daniel. Ces trois compagnons-là qui étaient ensemble avec Daniel. Daniel Sian a commis la cour royale. Daniel qui est déjà parvenu à la cour royale. Trois compagnons-là. Ces trois compagnons-là ont refusé de se prosterner devant la statue. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Chauffer fournaise sept fois plus. On a chauffé sept fois plus la fournaise. Donc, ils ont une augmentation à douleur. Donc, on va dire ça va pas si à Kobota.
Donc ces trois amis sont passés par le feu. C'est le signe de la grande tribulation après l'enlèvement. Parce que Dieu ramène que ce qui est passé. Vos amis sont qui s'attaquent à Mayonika. Alors, Yangonde Bango. Ces trois compagnons de Daniel, ce sont ces gens ici. Donc, Bango Bazala qui comme signe. Donc, ils étaient comme l'ombre, le signe. On a tout comprendre le tableau prophétique. Pour que nous comprenions le tableau des événements. Mais Awandeza réalité. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'est la réalité. Zambazui parmi les, toutes les nations. Le Seigneur a pris parmi toutes les nations de la terre. Il a enlevé quelques-uns pour l'enlever. La perfection. Ils sont parvenus à la perfection. Mais Santo Moussou parmi toutes les nations. Mais d'autres saints parmi toutes les nations de la terre sont restés. Tant Batikali ne va pas les calogos la trois compagnons de Daniel na fournaise où ils sont chauffés sept fois plus. Maintenant en restant ils doivent passer dans la fournaise sept fois chauffés comme les trois compagnons de Daniel. On a continué lecture Nangaya verset 9. Je continue ma lecture au verset 9. Il se tenait devant le trône et devant l'agneau. Revêtis des robes blanches et des palmes dans leurs mains. Tout ceci, ce sont les signes du temps du millénium. Et ils crièrent d'une voix forte en disant : le sali est à notre Dieu qui est assis sur le trône. Et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône. Et des vieillards. Et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit : ceux qui sont revêtis des robes blanches, qui sont-ils ? Et d'où sont-ils venus ? Je lui dis : mon Seigneur, t'y laisse. Voilà réponse Jean Pessac. Là, c'est la réponse que Jean lui avait donnée. Et il me dit : ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Grande tribulation, ça, les lotés. La grande tribulation n'est pas aujourd'hui. Naïlembo. En signe. Nzamba Sabaki, Ève déjà n'a. Douleur d'enfantement. Le Seigneur avait déjà créé la femme Ève avec des douleurs d'enfantement. Mais tant où Ève a cru, mais lorsque Ève est tombée dans le péché, Genèse 3, verset 16. Le Seigneur vient parler dans Genèse 3, verset 16. J'augmenterai la douleur de tes grossesses. Donc ce qui va augmenter, donc, si on augmente, cela veut dire et le gambo et ça la gâte. Cela veut dire cette chose existait au préalable. Mais baba qui si. Mais on a fait qu'augmenter. Donc on a Jésus et mis ça mis ce qui va vivre dans un mené dans ma belle. Comme Jésus nous avait dit notre vie sur la terre à nous les chrétiens. Et ça n'est dit douleur d'enfantement. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Cela veut dire tant au plus au body donc l'inné de ça. Mais cela veut dire lorsque nous enfanterons comme l'enlèvement s'accomplit. Augmentation de douleur. Donc après cela, il y a l'augmentation des douleurs de l'enfantement. Aujourd'hui, nous passons des tribulations seulement. La tribulation, ils ont la justice. Donc, toi, tu es sur le chemin de la justice. Mais bazo présenter une zélé à fausseté. Mais on te présente un chemin de la fausseté. Ils ont la bateau moussous. Il y a d'autres gens. Bakoye bisengi pour va passer moussala. On peut lui dire pour qu'il soit engagé. L'attaquage va nous pousser. Il faut porter des courtes jupes. On va nous foutre $1,000. On va commencer à te payer $1,000. Ce sont des tribulations. Et ça va passer. La lance à la cobaye bisa.
qui pour moi nous embête. Donc affamé, mais n'en dommage pas ta nature de fils de Dieu. Garde bien ton corps. Et ça n'a pris Théo, ma bécieux, non, $1,000, au tika, quand ma pépite n'a eu l'ibanda. Ton corps n'a pas de prix pour exposer tes cuisses pour $1,000. Ça, moi, n'a ya Sarah. Tu es une fille de Sarah. Il faut ça, la n'a pideur. Il faut que tu aies la pideur. La vie a pirété. Au moins, y'a mon péto. Via mon kima ni sou. La vie de fille, le péché. Y'a mon piqué, la mon sang. Et de vivre la sainteté. Le diable a placé ma piège partout. Le diable a placé des pièges partout. Ma combat douleur d'enfantement. Les combats que nous croisons, c'est ça, le douleur de l'enfantement. Mais c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Sera sauvé. Persévère jusqu'à la fin. N'entre pas dans la vie du péché. N'entre pas dans une mauvaise vie. Nzamba ko futa yo héritage éternel. Et le Seigneur va te payer l'héritage éternel. Basusu azamo na nzambe. D'autres sont enfants de Dieu. Mais afin de ne distraction. Mais il est la question des distractions. Zela lo biko no après l'enlèvement. Attends ton salut après l'enlèvement dans la grande tribulation. Makambo ko kuta na onde ko beso leçon. Les choses que tu vas croiser trop tard. Vont t'enseigner mais ce sera trop tard bien-aimé. Moza moza. Mais tu es saint. Aboyer lui à moi. On ne te l'a pas refusé, bien. Alors l'écriture continue. L'écriture continue en disant. Verset 14. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé les robes. Et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Awa totali sa ki pui. Ici, on avait fait voir ceci. Que le sang. Ezalaki ko couvrir l'année. Et le sang qui couvrait toute l'année. Ezalaki ko zala sacrifier na fête ou babenga la fête expiation. C'était le sang qui coulait dans la fête appelée la fête des expiations. Ezalaka na Lévitique 16. Et cette fête est dans Lévitique 16. Ezalaki ko zala kaka na l'air la fête wana. C'était seulement du temps de cette fête. Ndenganga nzambe monene azalaki ko kota na esika eleki poule. Le souverain sacrificateur entre dans le sanctuaire où les très saints. Vous voyez, vous prenez par exemple là. Dans toute l'année de l'année, il n'entrait qu'une seule fois. Dans le lieu très saint. Une seule fois. Et cela représentait ici que dans toute l'année de la grâce, Jésus le souverain sacrificateur, Jésus le véritable souverain sacrificateur, il a fait l'œuvre de répandre son sang une seule fois. À côté dans le ciel même. Et il est entré dans le ciel véritable. Seulement une seule fois. Pour la recouvrir. Toute l'année à grâce. On a beaucoup de temps pour Batu bazo participer dans sang wana par l'enseignement. Et les gens participent à ce sang là de Jésus en croyant à l'enseignement. Quand vous avez un vrai enseignement, lorsque tu as le vrai enseignement, otangami na kati aspersion ya sang Christ. Tu es compté dans l'aspersion du sang de Jésus Christ. Ozelate makila moko ya rouge. N'attends pas le sang rouge pour laver ton vêtement, non? Psaume 119 verset 9 dit ceci. Psaume 119 le verset 10 dit. Comment un homme rendra-t-il pire son sentier? C'est en se dirigeant d'après ta parole. C'est psaume 119. Verset 9 10. Les versets 9. Donc cela veut dire tant aux autres la parole et la parole. Cela veut dire si tu marches suivant la parole. Ils allaient toujours laver ta robe. C'est comme si tu lavais ta robe spirituellement. Ils ont purifié ton sentier. Et cela purifie ton sentier. Et le et comme cela qui resteront, dans la grande tribulation, lorsqu'ils passeront la grande tribulation, adorer la bête, ils vont refuser d'adorer la bête. Cela veut dire, bazana katia purification, le corps va garder position et la parole. Donc ils sont dans la purification comme ils ont gardé la position de la bête à Koboma Bango. La bête va les tuer dans la chair. Bakose quoi na l'ère millénium mesobanda na police 20. Mais ils vont ressusciter tout juste avant le millénium. Verset 4. Le verset 4. Tozo tanga yango. Toko bana même la verset 1.
Puis je, nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Puis je vis descendre du ciel un ange. Ben amoni kokita utama kolo mwanje numa. Nazana Paulus 20. Notez verset 1 à 4. Qui avait la clé de la vie? Boya sala ki na fumo la ya misito ya. Et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable de Satan, et il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans la Bible. Fermement, et cela l'entrait au-dessus de lui. Afin qu'il ne séduisit plus les nations. Jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Donc, on va confirmer Bissot. Ici, on a confirmé. Le temps de 1000 ans. Mais lorsque ce temps-là commence, Satan, le diable, on a lié d'abord Satan le diable. Et je vis des trônes. Et à ceux qui s'y assignent, lui donner le pouvoir de juger. Là, on a appelé ça qui bino. Matthieu 19. Là, je vous avais donné Matthieu 19. Verset 28. Le verset 28. Jésus avait dit, oh, nous sommes à Olandanga. Jésus avait dit, tous ceux qui me suivront, Bakofanda na 12 trônes. S'assieront sur le 12 trône. Et Bako juger. Et ils jugeront. Et Dieu bénisse. Amen. Bako juger les 12 tribus d'Israël. Bako sambi sa vie. Kolo mabota zomi na mibala isali. Na zoki aussi, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Verset 3. Le verset 3. Et le Bible, ne savez-vous pas que vous jugerez les anges. Vous évitez que nous jugerons les gens. Et Dieu bénisse. Amen. Ah. Donc, puisque on a trône, surtout comme la perfection, tout en a trône. Donc, tout outil, nettoie ma guide. Donc, on était enlevé. Après, tout zongi n'a l'air d'un millénium. Après, nous revenons du temps direct de 1000 ans. Vous allez en avoir un? Suivez attentivement. Ah. Parce qu'il faut y baquer. Parce que tu dois savoir. La colombe abimaka na arche. Et benga abimaka uta masua no. Akei kota la mabele. Et il est allé visiter la terre. Aboni sika ya kotia ma kolona ete. Il n'a pas vu le lieu où poser son pied. Et ali saka elembo. Lolenge kolo ayaki. Cela représente le signe du Seigneur qui était venu. Alors lui, moi, na motoaza na esika te ya kotia mutuna. Il a dit que le fils de l'homme n'a pas trouvé le lieu où poser sa tête. Parce que mutu etali saka aussi ma kolo. Parce que la tête représente aussi le pied. Lorsque tu vois la colombe rentrer dans l'arche, c'est la manière dont le Seigneur Jésus fit enlever. Et lui-même qui avait dit, un peu de temps vous ne me verrez plus. Mais un peu de temps vous me verrez. Car je serai en vous. De la même manière il fut enlevé. De la même manière aussi il est entré dans ce lieu. C'est pourquoi lorsque la colombe est rentrée, Arjouana, cette arche-là et aussi, représente aussi l'église, le corps. L'église, le corps Christ de Jésus. Parce que Arjouana est avec les bois, Jésus l'agneau. Parce que cette arche-là est l'image de Jésus l'agneau. C'est l'arche qui avait subi les châtiments du temps de déluge. Ceux qui étaient à l'intérieur sont sauvés. Mais les châtiments du déluge, c'est l'arche qu'il avait porté pour les gens qui étaient à l'intérieur. Frappé par Dieu. Donc, arche est à mais nous qui sommes à l'intérieur, nous sommes sauvés. Et Dieu bénisse. Amen. Mais colombe a confondu 7 jours. Mais la colombe va y demeurer 7 jours. 7 jours, on était sa catagne sur l'église de la perfection. Et ces 7 jours représentent tout le temps de la marche de l'église jusqu'à la colombe. Après, la colombe revient. Mais à Goya, on a fait à Olivier. Mais il ne viendra prendre que la feuille de l'olivier. En lisant Romains 11, babengaka église olivier. On appelle aussi l'église comme l'olivier. Et feuille batali sangango aussi comme des gistes. Et la feuille on les représente aussi comme les gistes. Dans Proverbe 3. Dans Proverbe 3, on les comme des gistes. On les appelle, on l'appelle les gistes. Dans verset 26. Ou verset 26. Alors, papa Kena,
lorsque la colombe a amené la feuille là-bas, c'est comme le Seigneur qui après 7 jours viendra prendre l'église parvenue à la perfection. Mais à cause encore 7 jours, Jésus. Mais la colombe attendra encore 7 jours. 7 jours wana eza makambo ezoya après l'inétoi. Et ces 7 jours, c'est le temps qui vient après l'enlèvement de l'église. Donc, tant oyo Israël a goté à besoin parole. Le temps pendant lequel Israël va recevoir la parole. Tant oyo grande tribulation vous a sur la terre. Le temps où la grande tribulation sera sur la terre. Wana colombe si a kenda ki na feuille. Là, la colombe avait déjà amené la feuille que le 7 jours, il est bien. 7 jours était passé. Après 7 jours, après, après ces 7 jours. Colombe, tant que vous la mena, lorsqu'on va ouvrir, et ça, les sous-tans, y a posonga, les sous-tans, ce qui dit colo, ce qui n'y a pas d'union, ce qui est menacé. Ah, c'est le temps où tout le monde va descendre après que la colombe a été relâchée. Que Dieu bénisse. Amen. N'azouzoua kande eti neba matea misa eti. Je prends seulement des points et points d'un enseignement, mais c'est un grand enseignement sur la colombe. Maintenant, on a vu au verset 4. Et j'ai vu des trônes, Apocalypse 20. Et à ceux qui s'y assirent, j'ai donné le pouvoir de juger. Et j'ai vu les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Ces âmes-là, ce sont eux ici dans l'Apocalypse 12. Parce qu'ils avaient le témoignage de Jésus. Et le dragon fit une verset 17. Contre la femme. Dans la bonne assise qu'elle a commencé. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Ce sont eux qui ressuscitent ici. Au verset 4. Les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Où est-ce qu'on les a tués? Apocalypse 13, verset 7. Apocalypse 13, verset 7. La bête doit tuer les saints. La bête, Nyamayaou, le Seigneur, y a pour ma bassin. Que Dieu bénisse. Amen. La bête de ceux et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête. Ni son image. Et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front. Et sur leur main. Ils revinrent à la vie. On les avait tués. Mais ils reviendront à la vie. Et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Écriture les athées que ba nettoie ma guide. Les écritures ne concernent pas ceux qui étaient dans les rues. Ce sont ceux qui étaient restés après mais dans les rues. Mais qui sont des saints. Ba résister la bête. Ils avaient résisté la bête. Que Dieu bénisse. Amen. Et que vraiment la grâce du Seigneur soit sur toi. Et que la grâce du Seigneur soit sur toi. Maintenant, du côté d'Israël, bien-aimé. Après que la bouche ait protégé la femme. Après que la bouche aura protégé la femme. La bouche, voilà, ce sont les deux témoins. Cette bouche, ce sont les deux soins. Et pour protéger la femme. La couche va protéger la femme. Là, la femme a commis Israël. Et là, la femme devient Israël. A protéger la femme. Ils ont protégé la femme. Là, le que la femme a causé la séduite, Nathan Oyo, la couche ou anéza. De la manière dont la femme ne sera pas séduite pendant le temps du ministère de cette couche. Souci n'anéza la gabopé sa parole valeur. Mon souci est que vous donniez de la valeur à la parole. Ne prenez pas la parole à la légère. Beaucoup de gens cherchent ces enseignements. Beaucoup d'ailleurs. Je dis beaucoup de gens cherchent cette formation. Mais toi, tu reçois la grâce ici.
Aie vraiment le souci d'apprendre la parole. Dans la semaine, tu en attends. Dans la semaine, nous n'avons qu'un petit moment. C'est tout un enseignement. Et ça, l'idée à mon bimba. Et ça, vie. C'est la vie au moins. Enseignement, c'est la vie. L'enseignement, c'est la vie. Considérez encore vraiment. Considère l'enseignement vraiment bien. Et ça, n'a pas de ma casse. Cela est très important. Et croyez pas pour protéger yo. Cela sera te protéger. Que Dieu te bénisse. Amen. Donc c'est que Nangambo paye Israël, c'est-à-dire du côté d'Israël aussi, la bouche est pour protéger la femme. La bouche va protéger la femme. Comment? De quelle manière? Et comme la maïnion son ya serpent. La bouche va avaler tout le fleuve que le serpent va lancer. Parce que serpent pour lancer fleuve. Parce que le serpent va lancer le fleuve derrière. Serpent pour lancer fleuve. Serpent lancer le fleuve. Nous l'avions cherché dans les saintes écritures. On qui Ésaïe 59. On avait pris Ésaïe 59. Dans verset 19. Au verset 19. L'ennemi viendra comme un fleuve. Maintenant, on va comprendre encore. Maintenant, on voulait encore le comprendre. Kendaki na Ésaïe 8. On était allé dans Ésaïe 8. Na verset 6 na 7. Au verset 6 et 7. Ésaïe 8, au verset 6 na 7. Ésaïe 8, le verset 6 et 7. Zotanga na kombo na Jésus Christ. Nous lisons au nom de Jésus Christ. Na bani même na 7. Je commence même au verset 7. Voici le Seigneur va faire monter contre eux les puissantes et les grandes eaux du fleuve. Tala kolo akotinde la bakone tumba bama ya minene pe ya kuya ya ebale munene. Les rois d'Assyrie. Mokonzi ya Suria. Et toute sa gloire. Pe kikone mouniba. Il se levera partout au-dessus de son lit. Pe ya kotumbwa misika nyonso maye na yezalaka. Et il se répandra sur toutes ses rives. Pe ye akosopana na nzinga nzinga na ye wana. Donc fleuve oezoya. Donc ce fleuve qui est lancé. Et ça tout. Tout un roi. Et ça, mon conti, mon bimba. N'armène. Avec son armée. Puissance à terre. Donc la puissance de la terre. Déjà, fleuve. Né, bimba, les wad. Yamon, Esaïe 9, Elodie, Esaïe 59. C'est pour ça que l'ennemi viendra comme un fleuve. Mon kuna koya, le kola, et pas les monnaies. Mais l'esprit du Seigneur les mettra en fait. Si mon lit, mon Yahweh, mon potisseroma. L'esprit du Seigneur, c'est ça la bouche que la terre a offert. L'esprit du Seigneur, c'est ça la bouche que la terre ouvre. Pour amener la fleuve, Nios. Pour avaler tout le fleuve. Parce que comme la wane, les autres, ça colonga yango. Parce que avaler ce fleuve représente la victoire sur ce fleuve. Parce que manger la Bible est telle ça aussi vaincre. Parce que manger dans la Bible représente la victoire. On t'a lu dans psaume 74. Vous lisez psaume 74. Je lis au nom de Jésus Christ. Psaume 74. Psaume 74. Verset 13 à 14. Le verset 13 à 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui a fendu la mer par ta puissance. Yo okabola ki mayabu nanguya na yo. Qui a brisé les têtes des monstres. Yo oeba ki nakopuka mitu ya ilima. Parce que monstre a sept têtes. Parce que le monstre a sept têtes. Nous au moins dans l'Apocalypse 12. Et nous les voyons aussi dans l'Apocalypse 12. Mais Awaza représenté par Pharaon et son armée. Mais ici le monstre est représenté par Pharaon et son armée. Je vous avais dit que tous les chantres dans les écrits étaient des prophètes. Là, on a pensé qu'il vient d'écrire 1 Chronique 25, verset 1er. Je vous avais donné l'écriture d'un Chronique 25, verset 1er. Nazo continue, verset 13e. Je continue. Tu as fendu la mer par ta puissance et tu as brisé les têtes des monstres. Kapola ki maya monene na nguya na yo pe ukuka ki mitu ya bilima. Sur les eaux. Oye sana ki likola maya. Tu as écrasé la tête du crocodile. Yo nyanda ki motu ya ngando. Crocodile ya mwa zakana Ezekiel pe babenga ka Ezekiel 29. Ce crocodile là c'est dans Ezekiel 29. Ezekiel chapitre 29. Ezekiel chapitre 29. À partir du verset 1. À partir du verset 1er. Je dis au nom de Jésus Christ. Amen. La 10e année. Vous là, Yasson. Ézéchiel 29, à partir du verset 1.
Le 12e jour du 12e mois, mokolo ya zomi na mibale ya sante ya zomi na la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Liloba na yawe talisa maki ngai na maloba. Fils de l'homme, mwana moto, tourne ta face vers Pharaon, aluse loki na yo tala Pharaon, roi d'Égypte, mokonzi Égypte, et prophétise contre lui, besakula pona kotele belaye, et contre toute l'Égypte, mais pona kotele belezipito mokimba. Parle et tu diras, loba pe motalisaka. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, boye elobi yao kolo yawe. Voici, j'en vais à toi. Mais tala na zoluka koboma yo. Pharaon, roi d'Égypte. Yo falo mokonzi Égypte. Grand crocodile. Yo ngando monene. Qui te couche au milieu de tes fleuves. Yo yo fandi na katikati ya bibale na yo. Kaka nzambe te ndazaka crocodile. Ce n'est pas seulement Dieu qui est un crocodile. Il n'est ni pas un crocodile. L'ennemi aussi est un crocodile de son côté. Nous faisons bien. Il y a un pour remarquer. Ah, ouais. C'est pourquoi tu vas remarquer ici. Tu as écrasé la tête des crocodiles. On y attaque Moutou Yangando. Verset 14. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Payons une gando à nos péciers locaux. La bilée n'a pas été sautée. Nous sommes dans la malade. Amen. Donc, donner pour nourriture en réalité, c'est vaincre. Donc, on peut s'entendre le col à bilay, donc, et l'homme a le col à bilay. On parle de l'événement passé dans Exode 14. Dans le pharaon, l'armée n'a écroulé. Lorsque Pharaon et son armée étaient écroulés, les prophètes ici, Moyen, ici, le chantre. Prophète, le Seigneur a brisé les têtes des monstres. Le Seigneur a écrasé la tête du crocodile. Là, il s'adressait à Pharaon et son armée. Et Dieu a humilié. Le Seigneur l'humilie, le rabaisse. Et Dieu bénisse. Amen. Maintenant, Awa, Balobeli n'a rien à manger. Il a mangé. Ici, on a parlé en terre. Les peuples du désert ont mangé. L'hypothèse est liée dans l'eau. Donc, Oliawa n'a été des saka. Et l'onga, oh, le peuple, les oaki. Donc, manger ces crocodiles, c'est la victoire que le peuple avait acquise sur Pharaon. Au moins, ils sont aujourd'hui nés, Caleb n'a Josué. Vous voyez, si vous prenez par exemple Caleb et Josué, lorsqu'ils provenaient de l'exploration des Canaan, donc à leur retour, les 10 va révolter le peuple. Les 10 frères avaient découragé le peuple. Mais les deux restants, Caleb et Josué, Balobani. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Verset 9. Il y a Nombre 14. Si Dieu nous est favorable, ce qui nous a fait à Salima là, donc on possédait terre ou la promesse. Nous allons posséder cette terre promise. Et ses ennemis, Bemakunawana, Bakosa la pona biso pâture. Il nous servira de pâture, de nourriture. Donc, Bamunawana Bakosa la bileina biso. Donc nos ennemis seront notre nourriture, notre pâture. Donc Kolia et elle s'appelle Kolonga. Donc manger représente aussi la vie. Sur quelque chose. Il y a besoin d'une attaque et un serpent. C'est pourquoi vous verrez l'attaque du serpent. Ni on s'en souvient d'un mot. Donc tous les fleuves qui lancent, c'est la bouche qui les avale. Et l'incolobata pour battre sur la terre, sur la terre, la femme Israël. Cela veut dire lorsque les deux hommes seront sur la terre en train de prêcher la femme Israël. Toute attaque à la nation contre Israël. Toute attaque des nations contre Israël. Et vous réussirez parce que les deux hommes vont en avoir. Ne réussiront jamais parce qu'il y aura les deux hommes sur place. Mais deux hommes vont avoir la mission il y a 1260 jours. Mais les deux hommes n'ont que la mission pour 1260 jours. Mais le Bénin Moussousou, 3 ans et demi. Dans un autre langage, 3 ans et demi. Or, après que la colombe a soit qui fait, or, après que la colombe ait pris la feuille, 7 jours les a nassis. C'était 7 jours qui venaient après. 7 jours, on est allé à Daniel 9, verset 27. Et ces 7 jours représentent Daniel 9, le verset 27. Une semaine est allée à 7 jours. Pour ce moment, il y a un Mikolo Sambo. Il y a un après biso qu'on nettoie. C'est pourquoi après notre enlèvement, il faut confesser la foi. Si tu es compté parmi ceux qui seront enlevés, confesse la foi. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Oui, de la semaine. Il y a 7 jours. Après notre enlèvement, il y a 7 jours qui viendront.
un jour comme une année. Dans un autre langage, 7 ans. Donc, 2 ans pour utiliser 3 ans et demi. Et les 2 ans vont utiliser 3 ans et demi. Pour la côté à la femme. Pour prêcher la femme d'Israël. Côté à Israël. Prêcher Israël. Ce qui 3 ans et demi n'a pas même coquille. Si leurs 3 ans et demi s'accomplissent. Verset 7, Apocalypse 11, Elobi. Le verset 7 d'Apocalypse 11 dit ceci. La bête va les tuer. La bête qui monte de l'abîme. Nyama yaouli a outi na siama. Akopoma les deux témoins. Va tuer les deux témoins. Bonne mission na bango esiri. Parce que leur mission. Mais lorsqu'il était en mission en train de prêcher, la bête akopoma bango te. La bête ne pourrait pas le tuer. Bango de la bouche o eza na autorité di kolo ya fleuve ezoya. Parce que ce sont eux qui représentent la bouche qui a l'autorité sur le fleuve lancé par les dragons. Mais après mort na bango. Mais après leur mort. Israël a besoin de protection. Israël va manquer de protection. Ils en ont l'air où une fausse adoration est en Israël après le désordre. C'est le temps où la fausse adoration entrera en Israël après le départ des deux hommes. Et qu'on soit tant il y a 3 ans et demi. Et cela va prendre le temps de 3 ans et demi restants. Et vous allez appeler tant où on en est la bête à vous allez adorer sur toute la terre entière. Et ce sera aussi en ce temps-là que la bête sera adorée comme Dieu sur toute la terre. Il y a un élément, le col à la tombe là qui statue dans l'air à trois compagnons de Daniel. C'est ça le signe de l'élévation de la statue du temple des trois amis de Daniel. Mais 3 amis de Daniel va vous pouvoir adorer. Mais ces 3 amis de Daniel vont refuser cette adoration. Le légué moko. De la même manière. Restez à champ. Les restes du champ. Donc 5 vierges folles. Donc les 5 vierges. Dans toutes les langues, ou bien ceux-là qui sont comptés dans toutes les nations, toutes les langues, grande tribulation. Ceux qui vont accepter la grande tribulation, garder position parole, qui vont garder la position de la parole, par la bête. La bête va nous tuer. Israël, du côté d'Israël, il y aura aussi les 144 000 seigneurs pour garder position parole. Qui vont garder la position de la parole. La bête Maintenant, et tous reviendront dans la vie d'Apocalypse 20, verset 4. Pour le millénium. Pour célébrer le millénium. Lorsqu'ils reviendront à la vie. On a mis ce baroyot pour passer dans la zone forte. Là, moi j'ai cette foi-là. Nous qui serons enlevés, nous proviendrons du ciel pour descendre sur la terre pour le millénium. Pour la fête du royaume de mille ans. En ce temps-là, Satan sera lié. Il ne sera plus sur le terrain. C'est que ma délégation se croit adorer le Seigneur. C'est que toute la terre adorera le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce du Seigneur soit sur tout un chacun. Que le Seigneur te garde fortement. Que le Seigneur te fasse des prodiges. Aussi l'exhortation à personne qui n'a pas dit, c'est très important. C'est si l'exhortation donnée au début, c'est très important. Sois certain de Dieu. Nibisama na maluma zambé. Jésus a tout accompli. Yesu a kokisa yonso. Et va d'accord résonner dans ton cœur. Yako et sa loko la ngonga na moti. Problème oyo fue si la parce que Yesu a longa. Ces problèmes doivent cesser parce que Jésus avait vaincu. Il faut croire ainsi. Il faut croire ainsi bien. Côté-l'ami, nous nous levons. On va déclarer la parole de foi dans les cambozana. Tu vas déclarer les paroles de foi dans ton problème. Pour le bénin, que ce qu'il y en a dit qu'il est long.